Bonjour, sans métier à essayer, la halle de Berry à Châteaubriant a accueilli mi-janvier la 4e édition du Forum des métiers proposé par la Maison de l'emploi du Pays de Châteaubriant. 19 secteurs étaient représentés, mécanique, métier de bouche, bâtiment, maintenance agricole ou encore informatique. Un forum ouvert aux scolaires, mais aussi aux demandeurs d'emploi et aux salariés en réorientation. Malgré un taux de chômage qui est encore important, il y a quand même des offres d'emploi qui ne trouvent pas de chercheurs d'emploi avec les compétences adaptées en face. Donc il est toujours important de faire de la promotion des emplois du territoire et des emplois au sens général, puisque c'est un outil quand même, ce forum, qui permet aux jeunes scolaires de pouvoir trouver des idées d'orientation. C'est pas simple quand on est en 4e, 3e de se projeter dans ce qu'on peut faire dans quelques années, quoi. Il y a vraiment des secteurs d'activité qui ont une pénurie, qui peuvent avoir une pénurie liée à un développement très récent. Je prends par exemple en informatique, on a en France aujourd'hui, on a à peu près 2000 formés par an pour un besoin de 4000 postes, quoi. Donc c'est un fossé quand même qui est conséquent. Et on a un problème qui est récurrent depuis des années, par exemple sur les secteurs qui restent toujours vrais, les secteurs de la métallurgie, les secteurs de l'agriculture au sens général et mécanique agricole, par exemple, qui restent des secteurs avec des difficultés de recrutement importantes. Donc il est important de pouvoir, promouvoir ces métiers qui n'ont pas, une cote obligatoirement très très importante dans la tête des jeunes élèves, et pour lesquels, entre autres, des mises en situation, comme on a pu le faire à cette édition du Forum, permet d'avoir une vision beaucoup plus précise de ce qui peut être fait sur un métier commun. On a souhaité faire des mises en situation sur les secteurs d'activité plutôt que des témoignages uniquement. Pourquoi ? Parce que la mise en situation, c'est quand même une façon très très concrète pour le jeune de pouvoir s'essayer au métier. L'idée, c'était ça, s'essayer au métier. Et il est vrai que lorsqu'on n'a pas d'idée de métier, quand on arrive dans un forum, le fait de voir les choses se faire peut aider beaucoup plus facilement à imaginer ce qu'on peut trouver derrière ce métier. Des visites d'entreprises ont également été organisées durant cette journée. 16 entreprises ont été visitées par les scolaires.